Bonjour, bonsoir à tout le monde. Jodi a mwen pote yon nouvel vidéo pou nou. Kote ke mwen pral montre nou 5 bagay nou petèt pa konnen sou WhatsApp. Nou pa pèdi tan. N'ap dérapi. M'ap montre premier bagay lan. Se koman ou kapab kache diskisyon yo sou WhatsApp. Si toutfwa prete yon moun telefòn nou pa ta vle lwe mesaj yo. M'ap montre koman ou kapab kache mesaj yo pou pa wè. Nou pralé, nou pral sou WhatsApp. Et nous sur WhatsApp, nous avons toute discussion là. Nous allons aller sur paramètres téléphone, nous cliquer sur paramètres. Et nous sur paramètres, nous allons aller en discussion. Et dans discussion, nous allons descendre en bas net. Nous allons aller en historique des discussions. Nous allons cliquer sur lui et nous allons aller archiver toutes les discussions. Là, cliquez sur lui et vous cliquez sur OK. Toutes discussions yo. Toute discussion yo archivé. Si vous voulez désarchiver yo, si vous voulez afficher yo, ou faire même bagaille là et puis il y a affiché. Deuxième bagaille là qui c'est qui ça pour faire pour bouler moins mégabyte les ou parler sur WhatsApp. Logon appel WhatsApp comment capable faire pour bouler moins mégabyte. Ou aller sur WhatsApp. Vous allez sur WhatsApp pour aller sur paramètres. OK, paramètres. Là, sur paramètres, nous allons aller dans utilisation données et stockage. Là, nous allons descendre en bas net, n'a coché réduire les données lors d'un appel, n'a coché li comme ça n'a boulé moins mégabyte l'engin appel WhatsApp. Troisième bagaille c'est comment on capable voyer un message by plusieurs moun un seul coup. Donc on remarque que l'en besoin voyer un message by plusieurs moun et by plusieurs moun un seul coup et limite là c'est 5 li. L'arrivé dans 5 yo dou pa ka voye plus que 5 un seul coup. Et ben mais comment on capable voye ou capable voye un message by plus que 5 moun et un seul coup. Nous pral dans WhatsApp. Là nous venons dans WhatsApp, nous pral dans paramètres WhatsApp. Là me dit nous pral dans paramètres là, nous pral dans trois petits points qui en haut et à droite là, n'a cliquer sur lui. Et puis n'a cliquer sur paramètres. Là nous ve sous paramètres, nous pour aller dans pardon, entendez, nous pour aller dans trois petits points, nous cliquer sur lui et puis nous pour aller dans nouvelle diffusion, nous cliquer dans nouvelle diffusion, là on va choisir tout le monde, on va choisir tout le monde, où voulez vous un message, non, bio, on va choisir tout, et vous cliquez sur V1, vous voyez là, on va écrire message joie. Ou bien ou tourner ou al dèr mesaj ou a kote li an et puis ou partager avec ou partager nan nouvelle diffusion kon sa tout moun sa yo a joine tout moun ou te koche yo a joine mesaj lan et ki sa encore et 4e bagay lan c'est comment pou kapab empêcher n'importe moun meto sur WhatsApp. Comment on capable empêcher ou meto sur WhatsApp sans autorisation? On peut aller sur paramètres téléphone non pour faire ça. On peut aller dans paramètres. Là, il vient dans paramètres, on peut aller dans compte. Là, il vient dans compte, on peut aller dans confidentialité. Là, il vient là où on descend, on peut aller dans groupe. Là, il vient dans groupe, il y a 3 options. Dans tout le monde là, c'est sous tout le monde là mettel, tout le monde apka voye message ba ou. Si ou mettel dans mes contacts, tout contact ou tout le monde qui sous contact ou apka meto dans groupe, mais si ou moun pas sous contact ou pa ka meto dans groupe. Si ou ale dans mes contacts sauf si ou ale dans mes contacts sauf et tout moun ou pral choisi yo, yo pa ka meto. Tout moun ou pral choisi yo, yo pa ka meto nan groupe, mais reste moun ki nan kontak yo ap kapab mete yo nan groupe. Dès ka montre pou m klike sou li,
qui ça dit échec de la mise à jour des parents du gouvernement. M'pas gagne internet, c'est ça que fait m'pas bail. Mais Jean aime dou lancer comme ça pour aller dans mes comptes. Sou vle gon portion moun ki pa kan, sou vle gen moun nan contact ou pa vle ou meto nan ou pa vle pou ou meto nan groupe sans autorisation, ou ap just entrer dans mes contacts soufflan et puis ou ap choisi moun sa yo. Et puis ou ap cliquer sur terminer comme ça, moun sa yo pa ka meto nan groupe. Ça c'est quatrième bagaille. Cinquième balance qui s'allie, comment on capable voir localisation by you moun. Si tout faut ta di moun nan mais tel kotoye et puis et moun nan pa ta kwè ou, mais comment on ka voir localisation by. Ou ap jòs ale sou nan moun nan. Ou ap jòs ale sou nan moun nan, rentre sou nan moun nan et on va rentrer sous nom moun nan. L'arrivé sous nom moun nan. On va rentrer sous nom moun nan. L'arrivé on va cliquer sur signe ça. On va cliquer sur signe ça et vous pouvez aller dans localisation. Nous remarquer que moi pas gain internet. Bagi internet. OK, l'arrivé dans localisation téléphone nan. Si localisation t'est activé, yo dit afficher les paramètres de localisation. OK. Si OK. Là, localisation m'activé, moi tourné. Yo dit partager localisation en direct, envoyer votre position actuelle. Ça c'est deux options. Ou ka prend partager localisation en direct là. N'a cliquer sur les notre. Là, yo di ou ka partager en direct pendant 15 minutes. Ou ka partager pendant 1 heure tout. Comme ça, après 1 heure là, l'app sorti sous contact moun. Et l'app sorti sous contact moun. C'est comme ça ou capable voir, m'a montre moi voye là aller là. Moun nan apre côté moi yé, OK? Moun nan ap ka localiser, m'la voye côté moi yé pendant 1 heure de temps. Après 1 heure, l'app sorti sous lui. Comme ça tout capable voir par comme message, ou pour aller même sous type Tinza, ou pour aller dans localisation. Et puis ou pour aller dans envoyer votre position actuelle. Comme ça, il va aller comme un message et il va aller comme un message sous contact moun nan qui indique côté où il est exactement. Ça c'est cinquième bagaille. C'est cinq bagailles que je vais vous montrer nous et nous capable pas connait montrer nous yo. Pas connait et ça qu'arrive nous déconner tout. Mais si toutefois nous déconner pas faire égoïste, partager vidéo comme ça tout yon moun. Et yon zan minou ka soti sou yon bagay li pat konen. Et mwen vle ban nou yon bagay en plus. Et ki se koman si toutefois nou ta remarke mémoire téléphone nou et presque saturé, nou ta vle supprimer quelques messages mais quelques photos vidéo depuis sou WhatsApp. Nous pouvons aller dans trois petits points et nous prenons dans paramètres. Les nous venons dans paramètres, nous pouvons aller dans utilisation données et stockage. Les nous venons là, nous pouvons aller dans utilisation du stockage. Nous cliquons sur lui. Comme ça, tout le monde qui est en contact nous a monté là. Et nous avons cliqué sur lui, m'a cliqué sur le premier. Là, nous avons toute la quantité de messages que nous avons. Quand toute quantité de messages moi écrit avec mon nom, yo bam stickers, vidéo ou capable supprimer n'importe quantité ou ka entrer dans n'importe contact là ou supprimer photo, vidéo à l'aise. Celle-là et moi mettez fin à vidéo, m'espère que nous joignons bagay et si vous aimez mes vidéos, likez-les. Et si vous pouvez abonner à la chaîne, faites ça pour nous toujours jouer ce genre de vidéo. Merci, à la prochaine pour une autre vidéo.